12h33 en direct sur Sud Radio. On revient sur cette grève des policiers à Marseille et les mots chocs du directeur général de la police pour Frédéric Vaux. Un policier n'a pas sa place en prison. Il souhaite d'ailleurs la libération du policier de la BAC de Marseille écroué après avoir été mis en examen dans le cadre d'une enquête commise sur un jeune garçon en marge des émeutes. On en parle avec le secrétaire national du syndicat UNET SGP Police chargé de la zone sud. Bruno Bartocchetti. Bonjour Bruno Bartocchetti, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de votre invitation. Avec plaisir. Et à vos côtés, Rudy Albina également, qui est donc avec nous, avocat, défenseur, vous, des émeutiers, hein, lors de comparution immédiate après cette séquence d'émeutes. Merci d'être avec nous, Rudy Albina. Merci. Alors, de l'invitation. On rappelle le contexte. Hein. 4 policiers de la BAC ont été donc mis en examen, dont un placé en détention provisoire. Ils sont poursuivis pour violence sur un jeune homme de 21 ans, Eddy, en marge des émeutes à Marseille. Pour protester contre la mise en détention, un syndicat a lancé un appel au code 562, ça veut dire le service minimum. Plusieurs centaines d'agents se sont mis en arrêt maladie. Le directeur général de la police est allé en soutien, Frédéric Vaux, qui dit clairement, un policier n'a pas sa place en prison. Bruno Bartocchetti, comment vous avez pris cette déclaration de votre directeur général ? Alors, on l'a pris comme un véritable soutien, bien sûr. Bien sûr, nous sommes à demi surpris, car je me suis exprimé assez souvent là-dessus en disant que c'était la profession tout entière qui ne comprenait pas cette décision de détention provisoire. Alors qu'il n'y ait pas de malentendu, on n'est pas là pour gêner une enquête, on est là juste pour dire qu'un policier dans l'exercice de ses fonctions n'a rien à faire en détention provisoire. Remarquez, parallèlement, on a des pédophiles et des criminels qui sont en contrôle judiciaire, et nous on a des policiers en détention provisoire. Toutes les garanties étaient requises, hein, ce policier allait répondre bien sûr aux convocations de justice, il ne serait pas parti à l'étranger, il n'aurait pas mis de pression sur les victimes, donc on ne peut pas comprendre. C'est une colère dans nos rangs, quand on sait que parallèlement, on a des personnes qui volontairement tentent de tuer des policiers et l'homicide volontaire n'est même pas retenu. Vous comprenez bien que c'est l'exaspération. Alors, vous avez expliqué qu'on était en grève, donc vous savez que nous n'avons pas le droit de grève. Pour une ITGP police, on a demandé le code 562. Plutôt en arrêt maladie, on va dire. Non, on n'a pas initié, on n'a pas demandé l'arrêt maladie. C'est vrai qu'on a eu un burn-out, j'ai un point de terme qui n'est pas qualitatif en matière médicale, mais nous avons des policiers qui se sont mis en arrêt maladie, nous ne sommes pas là derrière. Nous avons demandé dans la légalité de ne pas travailler sur initiative, mais de répondre au service public sur les appels 17 et police secours. Voilà ce qui est aujourd'hui à l'ordre du jour et qui va durer. On va être dans la durée, tout simplement parce qu'on attend maintenant qu'une bonne fois pour toutes, on n'ait plus cette insécurité juridique sur les épaules et qu'on puisse évoluer dans la loi et protéger juridiquement les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. J'insiste bien là-dessus. Alors justement, vous faites bien de rappeler le contexte et d'être clair, Bruno Bartocchetti, parce que vous, c'est ni grève ni arrêt maladie, mais à Marseille, c'est vrai que voilà, il y a manifestement beaucoup d'arrêts maladie en cascade. Exactement. Hein, c'est bien ça. Hein. Vous avez le chiffre ça, d'ailleurs. Alors, ça va être difficile parce que je peux vous parler de centaines d'arrêts maladie dans les Bouches-du-Rhône. Ça s'est étendu sur les départements voisins, mais c'est difficile de quantifier parce que vous avez des policiers qui ont consulté, qui ne se sont pas arrêtés, d'autres qui se sont arrêtés 2 jours, d'autres pendant 1 semaine ou 10 jours. Mais je peux vous parler de centaines de policiers en arrêt maladie. Pour ceux qui sont présents, j'insiste bien, ils répondent aux appels police-secours, oui. Ils défendent le service public et les victimes et la population marseillaise. Qui soutient bien sûr sa police à 80%, croyez-moi. On a vu ici ou là des mouvements s'amorcer, créer des émules, notamment à Paris. Est-ce que vous avez le sentiment, Bruno Bartocchetti, que c'est un mouvement qui peut s'amplifier dans toute la France ? Alors le mouvement, d'ailleurs, c'est un appel national que nous avons lancé. Le mouvement est très très fort en zone sud. Plus on est proche de Marseille, plus le mouvement est important, comme vous en doutez. Mais l'Île-de-France soutient bien sûr... j'allais dire Marseille, mais soutient la profession de la même manière. Alors, c'est les endroits où il y a une grande concentration de policiers et là, on retrouve bien sûr l'application du code 562, mais c'est la France entière qui est concernée. Hein. En fonction des endroits, c'est plus ou moins suivi, mais tout le monde est conscient aujourd'hui qu'on doit aujourd'hui franchement faire comprendre une bonne fois pour toutes que la situation n'est plus tenable aujourd'hui en France pour notre population et pour la police. Rudy Albina, avocat pénaliste au barreau de Paris, hein, qui a défendu donc des émeutiers jugés en comparution immédiate. Avant d'aborder les propos du directeur général de la police qui ont fait pas mal parler, vous comprenez ce sentiment des policiers qu'on vient d'entendre dans la bouche de Bruno Bartocchetti, un ras-le-bol également de leur côté ?
Écoutez, est-ce que je le comprends? Je pense que je peux l'entendre à demi-mot, dans le sens où, de toute façon, il y a toujours une certaine solidarité dans le milieu de la police. Dès lors qu'il y avait un policier qui était soit mis en cause, sans même parler de détention provisoire, hein, sans rentrer dans le débat, mais dès lors qu'il y avait un policier qui pouvait être mis en cause dans un dossier, on a toujours une certaine solidarité. Alors, est-ce que je le comprends en vérité? Et on en débattra, mais non, je ne le comprends pas. Mais c'est quelque chose qui ne m'a pas spécialement étonné, effectivement. Pourquoi? Pourquoi ça ne vous a pas étonné? Ça ne m'a pas étonné parce que, alors que ce soit pour ce dossier-là ou même par rapport à Naël, on a dans tous les cas, dès lors qu'il y avait un policier mis en cause, vu une certaine solidarité dans le milieu de la police, un certain soutien de la part de confrères policiers. Et aujourd'hui, ce n'est finalement qu'une réitération de cette solidarité que nous constatons depuis bien longtemps. Rudy Albina a un soutien aussi de la population française. Alors, je sais que la cagnotte, c'est pas ni un sondage, voilà. Mais il y a eu une cagnotte des Français en faveur d'ailleurs du policier incarcéré pendant les émeutes à la suite de l'assassinat du jeune Naël. Ça vous a choqué, vous, ce soutien un petit peu tacite finalement de la part d'une partie des Français? Moi, ça m'a profondément choqué. Ça m'a profondément choqué car aujourd'hui, et encore une fois, par rapport à la loi de 1881, en son article 40, il n'est aujourd'hui pas légal de financer, notamment par exemple, les frais de justice d'un mis en cause. Et je pense aujourd'hui, et comme mon confrère Yacine Bouzrou, il me semble, l'a très bien compris au travers de la plainte qu'il avait déposée, notamment pour escroquerie en bande organisée. Pour moi, cette cagnotte n'est pas le reflet d'un soutien de la part du peuple, des Français à l'égard de la police. Pour moi, cette cagnotte n'est qu'un soutien, disons, d'une partie de la population qui estime que Naël était peut-être un multirécidiviste, pour reprendre les faux propos de Jean Messia. Et il y a En eu, fait, je pardonnez-moi, dirais que Rudy c'est... Albina, je vous coupe, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des sondages hein, Dites-moi. qui tendent à montrer que les Français font confiance et soutiennent leur police en majorité. Alors qu'il a soutenu en majorité, ça je peux totalement l'entendre, mais encore une fois, et je le dis, je le répète, et je pense que c'est le principe même d'enquête ou de même de statistique, c'est qu'il y a effectivement des Français, une part des Français, heureusement que nous pouvons soutenir la police, puisque c'est eux qui nous protègent véritablement. Mais je pense que dans certains cas, dans certains dossiers, ou même dans le dossier Naël, tout simplement, il y a un soutien envers la police qu'il faut tout de même mettre en exergue, excusez-moi, et recentrer dans le débat par rapport aux circonstances qui ont été celui du dossier de Naël. Bruno Bertocchetti, on entend vraiment une sorte de fracture à l'instant. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon qui avait déjà pris la parole hein, sur ce qui se passe actuellement à Marseille. Jean-Luc Mélenchon qui rappelle aujourd'hui au respect des institutions républicaines les policiers, je cite, entrer en sécession factieuse après donc les propos controversés, hein, je cite, du patron de la police nationale pour qui un policier n'a pas sa place en prison. On y reviendra tout à l'heure lors de notre débat hein, sur ces propos de Frédéric Vaux, mais vous sentez vraiment une fracture. Il y a aujourd'hui deux France, celle qui soutient d'une certaine façon la police et l'autre France. Oui, je constate que 80% de la population soutient sa police. Pour Mélenchon, puisque vous en parlez, ce qui est dommage, hein, c'est qu'il est venu à Marseille pour sa campagne électorale, hein, lorsqu'il a voulu être député. Et puis là, il aurait dû être au cœur des émeutes, justement, pour voir un petit peu la position des émeutiers, des voyous, des casseurs, des pilleurs, hein, des agresseurs, et celle des policiers. Il aurait pu peut-être, avec beaucoup d'objectivité, ce qui lui échappe bien souvent, en parler d'une manière beaucoup plus claire. Si vous permettez deux mots sur la cagnotte, j'entends ce que vient de dire Rudy Albina, excusez-moi si je déforme votre Albina, nom, oui. voilà, Albina, pardon. J'entends ce qu'il dit, je voudrais juste faire un petit réglage sur la cagnotte. Les cagnottes qui ont été récupérées politiquement, nous n'avons fait aucun commentaire. Les cagnottes qui ont été créées par des amicales de police, elles ont été créées non pas pour financer les avocats, mais pour soutenir les familles de ces policiers qui ont été obligés de déménager parce que les enfants des policiers, les femmes des policiers sont menacées, sont agressées. Donc il a fallu soutenir la famille. Et là, je ne vois pas dans le code pénal quelque chose de choquant. Donc c'est important de faire la part des choses entre les cagnottes qui ont été faites à l'endroit des familles des policiers et celles qui ont été faites dans le cadre d'une récupération politique. La France aujourd'hui, elle souffre d'idéologie, hein, à travers les propos de Mélenchon qui salit carrément l'institution quand il prend la parole dans ce sens. Ensuite, ce que nous, nous La position que nous avons, ce n'est pas du tout d'avoir des faveurs,
hein, dans la police nationale, c'est de faire évoluer les lois, de faire évoluer les textes. C'est pour cette raison qu'on va se rapprocher de tous les parlementaires pour protéger juridiquement les policiers dans le cadre d'une détention provisoire, parce que lorsqu'ils ont été en garde à vue devant l'IGPN pendant 48 heures, on ne s'est pas exprimé. On laisse l'enquête courir et on va la laisser aller jusqu'au bout. La seule chose qui compte pour nous, c'est la détention provisoire et de préserver un policier dans l'exercice de ses fonctions. Je crois qu'on peut évoluer dans notre société sur ce thème-là et je ne vois pas pourquoi ça doit choquer ceux qui sont sur la planète Bisounours, pas pour vous, hein, maître, mais pour ceux qui se positionnent politiquement là-dessus. Rudy Albina, la réponse. Oui, alors effectivement, alors pour reprendre effectivement les termes de monsieur le porte-parole concernant la cagnotte, alors encore une fois, on ne va pas débattre dessus, ce n'est pas le sujet. Je pense qu'il y a la réalité juridique, il y a la réalité judiciaire, la réalité de la cagnotte et les interprétations qu'on va pouvoir en donner. Que ce soit l'interprétation que vous venez d'émettre, cher monsieur, ou l'interprétation que j'ai pu donner juste avant. En revanche, encore une fois, j'entends totalement qu'il y a un soutien qui sera apporté, mais encore une fois, que ce soit dans le cadre d'une cagnotte ou dans le cadre d'un soutien qui se veut moral, je pense qu'il y a toujours un fond qui se veut politique. Quand on dit qu'on ne commente pas le dossier, c'est faux C'était aujourd'hui sur les davantage les réseaux. propos, parce que vous étiez exprimé sur la cagnotte, sur les propos de Jean-Luc Mélenchon, mais je vous propose d'y revenir dans quelques instants, chers invités, hein, Rudy Albina, Bruno Bartocchetti, dans quelques instants. Et surtout, chers auditeurs, n'hésitez pas, 0826 300 300, si vous voulez vous aussi réagir, apporter de l'eau au moulin de tel ou tel débatteur, n'hésitez pas, l'antenne est ouverte. On se retrouve dans quelques instants. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. 12h47, soyez bienvenus en direct sur Sud Radio. Bon appétit si jamais vous êtes à table. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en prendre. Et merci surtout de nous suivre. Les réactions se multiplient après les propos de Frédéric Vaud dans Le Parisien. Le directeur général de la police nationale a apporté son soutien aux policiers incarcérés suite à une plainte pour violence policière sur un jeune homme de 21 ans à Marseille en marche des émeutes début juillet. On est avec nos invités, toujours Rudy Albina, avocat pénaliste du barreau de Paris, qui défend des émeutiers jugés en comparution immédiate, et puis Bruno Bartocchetti, secrétaire national du syndicat Unité SGPFO Police, chargé de la zone sud de Marseille. Et puis 0826 300 300, vous êtes, vous le savez, chers auditeurs, toujours invités à réagir à nos débats, vous nous apportez vos réactions. Julien nous appelle d'ailleurs de l'Essonne. Julien, bonjour. Oui, bonjour. Je crois que vous êtes policier, vous, et vous vouliez réagir. On a entendu déjà le débat commencer entre Rudy Albina et Bruno Bartocchetti. Vous vouliez réagir? Oui, bah, de toute façon, je voulais réagir. Je pense un peu comme 99% de mes collègues, c'est que forcément, on a de plus en plus de collègues qui essaient de faire leur travail et qui se retrouvent sans présomption d'innocence en prison. Voilà. Et le problème, c'est que pourquoi il y a un mouvement de grève, c'est que cette situation-là, elle dure depuis des années. On met la poussière sous le tapis, elle dure depuis des années. On ne fait rien pour nos collègues. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est arrivé au point où là, les collègues se mettent en arrêt maladie massivement, et ils ont bien raison, parce que pourquoi aller au travail pour prendre des risques physiquement et des risques en plus pénalement également. Donc c'est pour ça qu'après que mes collègues n'ont pas d'autre choix de se mettre en arrêt maladie. Parce qu'ils ne vont pas risquer leur vie et leur vie de famille pour rien. Parce que c'est ça qui se passe. C'est qu'on nous demande de faire toujours plus, des interpellations, d'user de la force strictement nécessaire, et qu'on ose user un peu de la force et que ça ne convient pas, on finit en prison. Mes collègues n'ont pas signé pour ça. Merci beaucoup Julien, en tout cas de nous avoir apporté votre témoignage. Rudy Albina, avocat pénaliste, hein, vous avez défendu des émeutiers jugés en comparution immédiate. Quand vous entendez ces propos de Julien, c'est un ras-le-bol. Il y a notamment la question de la présomption d'innocence qui semble être bafouée selon ce policier. Qu'est-ce que vous lui répondez? Eh bien écoutez, je me dis enfin, tout simplement, parce que quelque part, je trouve qu'on est un peu dans un cadre de convergence des luttes, puisque finalement, ce que dénonce ce policier, et quand il parle notamment de présomption d'innocence, c'est ce que moi, en tant qu'avocat, je dénonce à longueur de temps, à longueur d'année, lorsque des clients à moi finissent en détention provisoire pour des délits pour lesquels, délits au crime, hein, par ailleurs, pour lesquels ils sont encore présumés innocents. Alors effectivement, on a l'article 137 du Code de procédure pénale qui dit très bien que la liberté, c'est le principe et la détention, l'exception, et qu'il faut respecter très strictement l'article 144 du Code de procédure pénale
pour déterminer si effectivement il y a des motifs pour incarcérer la personne en attente de son procès. Alors maintenant, j'entends plutôt effectivement les propos de ce policier, du ras-le-bol qu'il peut avoir, mais aujourd'hui, je ne peux pas entendre qu'il y ait un ras-le-bol par rapport aux risques pénaux dans le cadre des policiers, puisqu'on a quand même un code de la sécurité intérieure qui les protège assez largement. Le code de procédure, le code pénal, le code de procédure pénale leur donne un certain crédit, une véracité dans leurs procès-verbaux, dans la façon qu'ils auront de les rédiger. Leur parole va toujours primer par rapport à la parole de n'importe qui dans le cadre d'une interpellation. Donc moi, quand on me parle de risques pénaux, quand on me parle d'un ras-le-bol et de personnes qui sont en détention, moi, en fait, c'est mon combat de tous les jours. Et d'entendre aujourd'hui, parce qu'effectivement, on a eu deux policiers en détention provisoire entre l'affaire Naël et l'affaire d'aujourd'hui qui nous intéresse à Marseille, moi, je ne peux pas entendre qu'il y a un ras-le-bol, il n'y a pas de citoyens de seconde zone et les policiers ne doivent absolument pas avoir plus de clémence que quiconque. Justement, Rudy Elvina, on arrive justement dans le cœur de ce débat, puisque Frédéric Vaux, le directeur général de la police, est venu en soutien donc à ce policier incarcéré à Marseille en détention provisoire. Il dit clairement, le savoir en prison m'empêche de dormir, il faut se donner les moyens techniques et judiciaires pour que ce fonctionnaire de police retrouve la liberté. Je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. Bruno Bartocchetti, ça pose la question, dans le fond, de savoir est-ce qu'un policier est un citoyen vraiment comme les autres ou, comme le dit Frédéric Vaux, il faut qu'il ait un traitement finalement différent. Je vais répéter pour être très clair. On demande non pas une faveur, on ne demande pas que le policier soit un citoyen différent. On insiste sur le fait que le policier, dans l'exercice de ses fonctions, puisse ne pas être en détention provisoire. Je crois que c'est clair. C'est pas qu'on veut être au-dessus des lois. Et lorsque Maître Bilan parle de la protection de la sécurité intérieure, l'article 435-1 devrait nous protéger justement, et ça n'a pas été le cas dans l'affaire Naël. Donc on ne demande pas un droit de tuer. On dit qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de la détention provisoire, il va falloir m'expliquer pourquoi le policier aujourd'hui dans l'affaire Naël ne peut même pas voir ses enfants en détention provisoire, alors qu'on le sait. On le sait, maître, vous le savez, on a des primo-délinquants qui ne sont jamais incarcérés, on a des tentatives d'homicide volontaires, des meurtres, et on retrouve ces personnes-là en contrôle judiciaire. Donc ce n'est pas supportable, on demande un encadrement juridique. Moi j'insiste et moi je vous dis que c'est vrai, point final, c'est vrai. Alors je vous dis qu'aujourd'hui, vous avez une insécurité, ne me coupez pas la parole, parce que j'insiste, moi je vous dis que c'est vrai. Bon, je ne vous ai pas coupé la parole, je continue dans mon développé. Moi je vous dis qu'aujourd'hui on est en détention provisoire, des personnes qui sont policiers dans l'exercice de leurs fonctions, et vous avez des personnes qui sont sous contrôle judiciaire pour des faits nettement plus graves et qui sont des citoyens. Je ne vois pas pourquoi ces voyous-là seraient justement au-dessus des lois par rapport à des policiers qui se retrouvent aujourd'hui en détention provisoire. Vous savez, le policier aujourd'hui, il enregistre dans l'année 10 000, la fonction de police enregistre 10 000 policiers blessés par an. On intervient entre 3 à 4 millions d'interventions par an. Et qu'est-ce qu'on le sait, on le voit bien qu'aujourd'hui, l'impunité, elle est faite à l'endroit des voyous et le policier se retrouve en prison. Alors ça plaît ou ça ne plaît pas, maître, si vous deviez défendre les policiers, si vous étiez appelé à défendre les policiers, vous partirez sur un autre axe de défense et vous ne tiendrez pas les propos que vous tenez aujourd'hui sur ce plateau. Rudy Elmina. Alors déjà, moi, il y a quelque chose qui me dérange pas mal dans le développement de Monsieur Bartocchetti. Vous différenciez les voyous des policiers dans le cadre d'une détention provisoire. Déjà, ce qui me dérange très largement, parce que s'il est en détention provisoire, c'est qu'il n'a pas encore été condamné, donc ce n'est pas un voyou. Déjà que le terme me dérange pas mal, alors encore plus qu'on est présumé innocent. Je parle des récidivistes et je me permets de vous couper la parole puisque vous le faites. D'accord, très bien, coupez-moi la parole. Tout ça pour dire encore une autre chose, moi, qui m'a pas mal dérangé. Vous dites, on ne veut pas un traitement de faveur, en revanche, on ne veut pas de détention provisoire avant un procès. C'est un traitement de faveur, quoi qu'il en soit. Les non, vous n'avez pas écouté, vous, pas n'entendez pas ce que je, vous n'entendez pas ce que je dis. Ah si, c'est ce que vous avez dit, monsieur Bartocchetti. Je vous ai coupé une fois, je ne vous ai pas coupé 36 000 fois, je vous demanderai de me laisser parler. Ne parlez pas en même temps. Merci. Désolé. En tant qu'avocat, j'attache une certaine importance au contradictoire. Merci bien. Tout ça pour dire, aujourd'hui, pour moi, les propos de monsieur Frédéric Vaux sont une honte. C'est une honte parce que monsieur Frédéric Vaux veut se substituer à l'autorité judiciaire. Monsieur Frédéric Vaux estime effectivement qu'il y aurait des citoyens... C'est ce qu'effectivement viennent de réagir les magistrats, s'en émeuvent. Hein. Des propos scandaleux et gravissimes de la part du directeur général de la police, disent les syndicats de magistrats à l'instant, effectivement. C'est gravissime, c'est-à-dire qu'on assiste finalement
au directeur de la DGPN, si je ne dis pas de bêtises, M. Frédéric Vaux, qui estime pouvoir se substituer à l'instance judiciaire pour déterminer qui mérite ou pas la détention provisoire. Moi, je me bats chaque jour de l'année, que ce soit pour absolument n'importe qui, pour éviter la détention provisoire. Le débat, pour moi, est tout simplement irréel, dans le sens où la détention provisoire devrait être, encore une fois, l'exception. Et moi, j'entends totalement les propos de M. Bartocchetti. La détention provisoire, aujourd'hui, elle doit être réservée que dans certains cas. Et moi, je ne compte plus le nombre de dossiers dans lesquels j'ai, que ce soit en correctionnel ou aux assises, où on n'a absolument aucun élément de l'article 144 qui permet de placer quelqu'un en détention provisoire. Et pourtant, on se bat pendant des mois, voire des années, pour pouvoir mettre quelqu'un sous contrôle judiciaire. Donc effectivement, je pense que le débat et les arguments que nous avançons sont les mêmes. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis l'affaire Nahel, on a des policiers qui sont pour la première Merci. fois en détention provisoire, alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que chez nous, en tant qu'avocats, on vit tous les jours, en fait, tout Merci en simplement. tout cas, messieurs. On a compris vos deux propos. Hein. Rudy Albina, avocat pénaliste au barreau de Paris. Bruno Bartocchetti, secrétaire national du syndicat Unité SGPFO Police. Merci à vous d'avoir été avec nous. Restez avec nous dans quelques instants. On écoutera en direct sur Sud Radio l'allocution d'Emmanuel Macron, suivie d'un décryptage avec nos invités. 0826 300 300. Si vous voulez réagir, évidemment, après la déclaration du président.